Dans cette vidéo, on se retrouve dans l'épisode 2, tout simplement, eh bien, du cours de couture pour les femmes rondes. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment on peut coudre des tissus fluides facilement. Mais avant de continuer la vidéo, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre. C'est une vidéo où tu vas retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde. Donc si ça vous intéresse, cliquez eh bien, dans le premier lien que je vous mets dans la description et vous allez tout simplement recevoir la vidéo dans votre boîte mail. Et sachez que cette vidéo n'est pas disponible éternellement vu qu'à un moment donné, je vais tout simplement l'enlever, donc faites vite si ça vous intéresse. Maintenant on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors la première astuce, c'est tout simplement lorsque l'on va poser nos patrons sur un tissu fluide. Une fois que vous avez pris votre tissu, que vous l'avez plié en deux et que vous l'avez bien mis sur une table, c'est vrai que les tissus fluides, je pense que vous vous en doutez si vous en avez déjà cousu, ça bouge. Voilà, les tissus qui sont fluides, c'est un petit peu les tissus un peu comme la soie, c'est ce qu'on appelle un peu en couture les tissus vivants. Du coup, comment on se débrouille pour bien positionner nos patrons sur le tissu? Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des poids de manière à vraiment regarder si votre tissu est vraiment bien droit et ne part pas dans tous les sens, d'accord? Donc ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment de mettre des poids aux extrémités du tissu de manière à ce qu'il ne bouge pas, d'accord? Et une fois que vous placez votre patron sur le tissu, vous prenez une bouteille d'eau, enfin voilà, hein, on se complique pas la tête, vous prenez des bouteilles que vous avez chez vous ou quoi, et vous mettez des poids. Ça permettra justement que le tissu ne bouge pas, et même quand vous allez devoir couper vos patrons, ce sera beaucoup plus facile et ça ne bougera pas dans tous les sens, d'accord? Donc ça déjà, c'est la première astuce pour le tissu fluide. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être au niveau du repassage. Il faut savoir que les tissus fluides, c'est des tissus qui sont assez fragile. Donc moi ce que je vous conseille, et c'est ce qu'on conseille en couture, c'est d'utiliser une pâte mouille lors du repassage. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement une pâte mouille? C'est très simple. En fait, quand vous allez repasser vos pièces au repassage, ce que vous allez faire, c'est que au-dessus de votre tissu, vous allez prendre un tissu coton, du lin ou des chutes que vous avez de certains tissus. Donc prenez du coton, du lin, vraiment on s'en fiche, mais prenez un tissu de manière à le placer au-dessus, ça va servir de protection. On sait jamais si le tissu crame ou quoi que ce soit, il vaut mieux prendre toutes ces précautions. Et ça en couture, on appelle ça une pâte mouille. Donc vous prenez un tissu, du lin, du coton, tout ce que vous voulez, vous le mettez au-dessus de votre tissu que vous allez repasser et vous repassez de manière à ce que ça puisse protéger et ne pas abîmer votre tissu, d'accord? Donc voilà pour ce deuxième conseil. Et le dernier conseil, ça c'est hyper important, faites des tests au niveau, avant de se lancer directement dans la couture, prenez des petits échantillons de votre tissu fluide et faites des tests au niveau des points. Regardez si le point est joli. Parfois il faut régler la tension de votre fil, de votre machine à coudre. Donc faites des tests, c'est important de faire des tests avant de se lancer directement sur la création d'un vêtement, d'accord, d'un tissu ou quoi que ce soit, quand vous utilisez de nouveaux tissus bien évidemment, et pas que, hein. Tout le temps, à chaque fois, à chaque début de couture, on fait toujours un petit test, on appelle ça des petits échantillons. Donc faites un petit test, regardez la tension de votre fil, parfois il faut la régler, d'accord, c'est tout simple, vous avez juste à trouver le bouton de votre machine à coudre où vous réglez la tension et vous tournez le bouton de manière à pouvoir trouver une bonne tension tout simplement, et vous allez au bout d'un moment trouver une bonne tension, d'accord. Donc voilà pour eh bien ces 3 astuces pour coudre tout simplement un tissu fluide. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît et que le concept vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et nous on se dit à très vite.